Chers amis violonistes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire des croches. Toujours avec une pulsation, on va d'abord imaginer ce que ça donne. D'abord, je pense la noire. Tac, 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 tac et tac et tac et tac. Tac, 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 tac et tac et tac et tac. On va le faire au violon. Donc là, je vais jouer du milieu à la pointe pour trouver mes noirs. Donc une fois que j'ai mes croches en tête, je vais les jouer. Je sais qu'à chaque fois que je vais être sur ma première croche, toutes les deux croches vont être revenues sur ma gommette rouge. Dire tac à chaque fois que je refais mon tiré. Et je sais que je dois être en même temps que le métronome sur mon tac. Voilà. Alors, vous allez faire ce mouvement-là déjà sur le troisième quart de l'archet. Et après, quand vous serez à l'aise avec ce rythme, c'est-à-dire d'arriver à faire vraiment des croches, des successions de croches régulières avec sur une gamme de une octave, deux octaves ou trois octaves selon votre niveau, vous allez le faire également sur les trois autres quarts, c'est-à-dire du talon à la, au ici. Après vous allez le travailler d'ici et puis à la pointe. Voilà, chaque partie d'archet doit être travaillée séparément, toujours sur une gamme, pour bien connaître votre archet. Voilà, à vous de jouer.